lorsque j'ai commencé l'amélioration continue il y a 3 ans, donc j'étais complètement novice, donc j'y connaissais rien. Donc j'ai eu la chance, au rythme d'une journée par semaine, d'être accompagné par un cabinet de consultants qui m'a formé sur la démarche TPM. C'était il y a 3 ans et ça dure depuis ces 3 ans, et j'ai eu le besoin en fait d'aller plus loin et d'avoir une vue un peu plus transverse de ce qu'est une démarche d'amélioration continue pour pouvoir franchir un pas significatif en fait avec les gens avec qui on travaille et avec l'entreprise. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pu négocier avec mon entreprise pour réaliser ce master. Il y a encore quelques mois, l'amélioration continue, je le voyais comme une boîte à outils et on pouvait utiliser les outils pour pouvoir améliorer les choses. Or, là, pour le coup, il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'entre les deux, il y a quand même des hommes. Il faut d'abord travailler sur cette souche, cette brique élémentaire qui est le travail avec l'homme, le management. Et donc ce que ça m'a apporté, c'est déjà de prendre conscience, moi, qu'effectivement, il fallait déjà travailler sur les hommes avant de pouvoir mettre en place des outils, des méthodes. Donc, et c'est aujourd'hui quelque chose que j'ai commencé à faire dans le cadre de mon entreprise. Lorsque je suis venu sur ce master, donc j'avais déjà des idées en tête, mais finalement, plus on rentre dans le sujet, et on voit que le périmètre est beaucoup, beaucoup plus large et offre beaucoup de potentiel. Donc oui, je suis effectivement très satisfait de la formation.